Hey, j'ai tout un tas de produits à vous présenter. En plus de ça, il y a un gros concours. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits que la marque PNY m'a envoyé. Deux câbles Lightning à gagner au choix. Un kit objectif pour smartphone, sachant qu'il y a une application qui est offerte, qui se nomme Photor. Une toute petite clé USB 128 gigabits, ainsi qu'une batterie portable qui est plutôt résistante et assez stylée. Pour participer au concours, c'est très simple. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo pour montrer que vous aimez bien le concept. Et puis de toute façon, tout se passera eh bien, sur mon compte Instagram. C'est beaucoup plus facile pour moi de repérer un petit peu les gens qui me suivent vraiment. Donc à ce moment-là, en fait, pour le mois de décembre, chaque semaine, je vais donc publier normalement une photo sur un objet donc, qui sera à gagner, sauf pour les deux câbles Lightning, où vous me dites eh bien, quelle couleur vous voulez. Et après, je vais sélectionner une personne, je vous contacte en message privé, vous me donnez votre adresse comme d'habitude avec tous mes concours. Et puis je vous envoie le produit en espérant que vous allez l'avoir avant Noël. Ici on se retrouve avec les fameux câbles Lightning comme celui-ci couleur or. Et parmi tous les câbles que j'ai pu recevoir auparavant, c'est la première fois que je reçois un câble en métal. Et je trouve que c'est hyper résistant. Et regardez, on peut l'entendre légèrement. Enfin c'est un truc de fou. Et que le câble fait 1m20 de longueur. C'est très pratique puisqu'il n'est pas court du tout. Il pèse 55 grammes donc c'est hyper léger. Sachant qu'il y a une garantie de 2 ans, donc ils ont vraiment confiance en leur produit et ça c'est déjà un très bon point. Le câble est donc à 19,99€, ce que je trouve être plutôt un prix raisonnable, surtout pour, on va dire, sa qualité. Dans le kit 4 objectifs pour smartphone, on retrouve un super grand angle, un fisheye, un grand angle et un objectif macro. D'ailleurs, je trouve que le packaging est plutôt réussi. Et qu'il est de bonne qualité, par exemple ici il est aimanté. Dans la boîte nous retrouvons donc les 4 objectifs et je vais faire un petit test juste après. Une pochette de rangement qui elle aussi est aimantée avec donc des petits caches pour chaque objectif, donc on en retrouve 4, ainsi qu'une pince qui est juste ici bien entendu. On va pouvoir donc fixer eh bien, notre objectif dessus et après la clipser sur notre smartphone. Par exemple ici je vais tester le super wide et on peut voir que c'est vachement plus pratique. Alors ça peut être vraiment mais vraiment on va dire pratique lorsqu'on va faire aussi des conversations, des FaceTime, tout ce qui va être entretien par exemple sur Skype, lorsqu'on va dire qu'on a un angle qui est assez réduit ici par exemple avec l'iPhone et qu'on va vouloir l'agrandir. Je me mets juste au niveau de mon objectif et il y a quand même un assez gros résultat. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Dans le coffret, on retrouve un code pour l'application Photor, donc qui vous permettra eh bien, gratuitement de faire du montage sur des photos avec des jolis rendus grâce à vos objectifs. Et ça, c'est un très bon point d'avoir aussi des applications, ce genre de choses, qui sont livrées gratuitement tout en achetant eh bien, les objectifs. Le prix de ces objectifs sont à 39,99€, ce que je trouve très raisonnable puisque j'ai déjà testé auparavant donc, des objectifs pour smartphone à des coûts beaucoup plus élevés et au final, j'ai pas l'impression d'avoir un énorme changement, donc c'est très bien. Ils m'ont aussi envoyé donc une clé USB de 128 gigabits, donc 3.0, tout ce qui est pour transfert de données assez rapide, eh bien c'est nickel. Par contre, on retrouve à peu près, comme sur toutes les clés USB qu'on achète, environ, je crois, 125 gigabits dessus. Et c'est plutôt pratique, mais par contre, elle est vraiment très petite. Pour éviter de la perdre, je l'ai donc attachée à mes clés. Et la miniaturisation, c'est assez fou. Comment maintenant, eh bien, on arrive à faire des choses hyper petites, 128 gigabits là-dedans, alors que juste ici, je crois que c'est une 16 gigas ou une 32 gigas. J'en ai une autre, par exemple, PNY qui est juste ici, qui fait, je crois, ouais, c'est ça, 16 gigabits. Une garantie de 2 ans sur cette clé USB, sachant qu'actuellement, elle est à 78,39€ au lieu de 95€ environ. Donc c'est un petit coup, je pensais pas que c'était aussi cher les clés USB, mais après tout on la garde et puis après on est tranquille et puis surtout l'attacher à ses clés, ça c'est très pratique. Une clé USB donc 32 gigabits avec connecteur donc ici USB avec un embout aussi de l'autre côté, un câble Lightning. Cet accessoire pèse environ 75 grammes
Et c'est vrai que c'est la première fois que je reçois un produit et bien de ce style. Il permet donc de transférer, de partager et de stocker entre votre appareil, donc ici l'iPhone, avec votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC. Il existe en 32, 64 ou bien 128 gigabits. Très pratique pour transférer les fichiers et on peut aussi recharger et bien son iPhone. Il est à environ 39€ sur Amazon, ce qui est plutôt correct, après à voir si vous en avez vraiment besoin. Hop! Ah là par contre ça va être cool parce que je reçois énormément de batteries portables. Et donc ici on va voir un petit peu déjà qu'est-ce que tu dégages. Une batterie portable pour smartphone qualifiée IP65. Ouvre la boîte, une petite notice à l'intérieur. Il y avait alors deux câbles. Alors on a un câble micro USB. Donc tout ce qui est par exemple pour manette PS4, Samsung, c'est ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. Ainsi qu'un câble, je dirais, mini USB. Alors, c'est les anciens, c'est par exemple ceux de la manette, donc PS3, qu'on voit eh bien, de moins en moins, puisque maintenant, c'est le micro USB qui a remplacé l'ancien câble. Alors bon, c'est plutôt cool. On a les deux câbles. Alors là, nous avons eh bien, cette batterie portable. Et ça, je pense que c'est le plus beau joujou qu'ils m'ont envoyé. Avec le câble aussi Lightning, qui est pas mal du tout. Alors, l'intérêt ici, c'est que forcément, elle est super résistante, très solide, et c'est qu'on a une lampe torche. Il suffit d'appuyer donc sur le bouton environ, on va dire 4-5 secondes, et donc on active la lampe torche. Et c'est ce que j'aime beaucoup donc sur certaines batteries portables, c'est la possibilité d'avoir donc une petite lampe torche, sauf que souvent ce sont des petites LED et ça éclaire rien du tout, alors que ici, on va dire que déjà si je commence à éteindre, on va faire le test en direct. Regardez, j'ai commencé à éteindre, on voit plus rien. Eh bah, ça va, c'est stylé. Ça marche bien, on voit le YouTube qui est juste ici, le sac à dos, et puis la petite montre. Voilà, maintenant je peux faire mes vidéos comme ça, vous avez vu l'éclairage? C'est un truc de fou. Cette batterie portable pèse 220 grammes. Il y a un port USB universel avec une sortie de 2,1 ampères. Donc il est possible de recharger un seul appareil à la fois avec cette batterie. Elle a une capacité de 7800 mAh, ce qui est plutôt potable. On peut recharger environ eh bien, 3 fois son smartphone avec cette batterie. Il y a 4 LED pour nous donner le niveau de la batterie. Par exemple ici on est à 50% à peu près, donc 2 barres sur 4. Le revêtement est donc en caoutchouc, ce qui est assez agréable. Comme elle a été conçue pour l'extérieur, elle résiste au choc, à l'eau et à la poussière. Elle va très bien. Elle va toujours très bien, juste ici. Reviens, reviens. Ah, t'es là. Non, tout est bon. Tout est bon. Il y a un mousqueton qui est fourni dans la boîte. Alors par contre au niveau donc, des points ici négatifs, ça va être la longueur des câbles. Regardez-moi ça. Hop. C'est hyper petit, c'est tout fin. Amazon elle est à 24,99€. Très raisonnable. J'aurais aimé un tout petit peu plus de capacité, comme 10 000 mAh. Ils m'ont aussi offert une batterie portable en alu de 2500 mAh. Et c'est gravé ici Christopher Morfin. C'est trop mignon. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas, un grand merci aussi à la marque PNY de m'avoir envoyé tout ça et d'avoir la possibilité aussi de pouvoir vous faire gagner quasiment tous ces produits-là en concours pour le mois de décembre. Je suis vraiment super content. Je connaissais honnêtement pas vraiment la marque. Et en regardant, en testant et surtout au niveau des prix, je trouve que c'est plutôt même très correct. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.